sans sourire. Moi, je l'aime bien. Tu l'as pas vu? C'est pour ça. Tu l'aurais vu. Il y en a qui l'ont vu. Un sourire dangereux. Parlant de danger, il y en a qui sont en retard parce qu'il y en a un qui a décidé de prendre le métro avant qu'il arrive. C'est un accident sur Berry. Fait que les autobus sont en retard, le métro aussi. Fait qu'il y en a qui sont revenus à pied. Un petit peu plus long. Fait qu'il y en a peut-être qui vont rentrer au début de la conférence. Le titre de la conférence de ce soir, l'art de se guérir par la musique. On va emmener... Moi, je vais chanter toute la conférence. Puis vous allez vous guérir. Après? Charles était beau avant que je chante. C'est du chantage. Ah, c'est du chantage, effectivement. La musique, ça peut guérir, j'espère, parce que le titre de la conférence, c'est ça. Hein. Mais ça peut te rendre malade aussi. Oh oui! C'est moi qui devais dire ça. Oui. Je savais que son sourire n'était pas de bonne loi. Si tu veux être télépathe, ça ne me dérange pas, mais ferme-la. OK. Moi, je peux être télépathe et le dire avant toi, ça va bien, mais quand l'intervieweur commence à... effectivement, je voulais te poser la question, mais là, oui, la musique, ça peut rendre malade. Okay. D'ailleurs, ça rend plusieurs personnes malades. Ça peut rendre stérile, ça peut rendre diabétique. La graisse. Ça fait plein de choses. Le disco, par exemple, c'est une musique qui a stérilisé le plus d'hommes parmi les musiques. Ouais, le disco. Pourtant, c'est pas pour ça qu'ils vont faire du disco, c'est pas pour être stérile, c'est pas pour... Non, effectivement, mais c'est parce qu'il y avait une mécanique au niveau de la danse, avec le rythme, avec la façon dont les gens s'habillaient, ce qui fait que ça bloquait suffisamment la circulation sanguine au niveau des testicules. Ça leur rendait un paquet d'hommes stériles. La danse ou c'est la musique? Les deux. Il y a des musiques aussi qui rendent... On n'est pas écouté tellement pourtant. Non, mais t'as pas écouté les bons morceaux. De toute façon, j'ai toujours dit de ne pas écouter les morceaux à l'envers. Hein? C'est plus dangereux qu'à l'endroit. On dit qu'il y a des morceaux à l'envers qui sont sataniques. C'est ça, je dis. C'est vrai, ça? Tu prends un ordinateur et puis tu digitalises un morceau rock. Digitaliser, ça veut dire qu'on l'enregistre numériquement sur l'ordinateur avec un logiciel de digitalisation. Puis le logiciel, il peut nous permettre de tout faire jouer à l'envers, proprement. Si tu fais jouer à l'envers proprement, puis tu entends un paquet de parasites, d'écouter tu entends une voix particulière qui est une prière à Satan. Mais clair. En anglais, j'ai rien compris. Mais c'était une prière à Satan. Alors, effectivement, il y a des... Puis, évidemment, au niveau du subliminal, quand ils font jouer ça, bien, le cerveau entend à l'envers comme à l'endroit. L'ego ne reconnaît consciemment que ce qui fait partie de ses cordes, donc de ce qui est à l'endroit. Mais le cerveau enregistre et replace complètement toutes les parties inconscientes. Oui. Donc, l'individu, lentement, il se fait sataniser. Ça rend malade. Parce que c'est de l'énergie, la musique, c'est une vibration? Qu'elle soit entendue à l'envers ou à l'envers? Non, en réalité, la musique, ce n'est pas une vibration. Ça, c'est important. Un peu comme quand on parle de communication d'énergie par la parole. La parole... Bon, si on fait jouer de la musique dans l'espace, où il n'y a pas d'atmosphère, où il n'y a pas d'air, on n'entendra rien. Parce qu'il n'y a pas d'air? Non, parce que la musique, ce n'est pas de l'énergie. La parole non plus. Si, par contre, on allume une lumière dans l'atmosphère, dans l'espace... Même s'il n'y a pas d'air, on va voir la lumière. La lumière est une énergie. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait jouer la musique, par exemple, la musique va... l'électricité va faire bouger des cônes dans des haut-parleurs. Et ça va aspirer de l'air, repousser de l'air, aspirer de l'air, repousser de l'air. Donc, ça va créer une vibration dans l'air. Et la vibration va circuler dans l'air. Et elle va finir par arriver au tympan des auditeurs et auditrices. Le tympan va commencer à bouger en fonction de pression, dépression dans l'air. Et là, il y a une série de petits instruments que les anciens servaient pour ferrer les chevaux. Alors, il y a un marteau, il y a une enclume, il y a un étrier. Et puis ça, ça bouge, et puis ça va recréer dans une espèce de cornet, dans l'oreille, une vibration plutôt électrique qui va finir par s'en venir jusqu'au neurone. Le cerveau va décoder ça, il aura entendu un son, donc une musique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie, on va dire énergie, mais il n'y a pas d'énergie. La musique ou la parole qui arrive jusqu'à vos oreilles ne peut faire autre chose que de mobiliser l'énergie qu'il y a chez vous pour qu'elle puisse servir. Ça veut dire que lorsque moi je te parle, tu ne peux pas comprendre exactement ce que je dis parce que ma parole n'est pas réellement une énergie. Elle est énergétique dans le sens aérien. Elle n'est pas une énergie. Donc, en fonction de ton décodeur acoustique de ton oreille, en fonction de ton décodeur neuronique, puis en fonction de la valeur que tu vas attribuer à l'énergie,
Ben, tu placeras les mots qu'il faut pour y aller là. Bon, c'est un peu complexe, mais on va sauter des détails. Mais on doit bien comprendre que si, par exemple, on fait jouer de la musique et qu'il n'y a pas d'atmosphère, on n'entendra rien. Un peu comme quand vous regardez les films dans l'espace, la guerre des étoiles ou ces choses-là. Quand on voit un vaisseau spatial exploser, on ne devrait rien entendre. Mais le monde n'aimerait pas écouter ce genre de film-là. C'est surtout quand ça se passe, qu'ils se mettent tout le temps dans l'espace, là. La science-fiction, c'est pas supposé être des films muets, ça fait qu'on veut... Exactement. Les vaisseaux dans l'espace, ils se courent après, puis qui se tirent, puis qui explosent. Ça, c'est silencieux total. T'entends rien. Bon. Alors, c'est une chose. Donc, la musique, ce n'est pas une énergie. Okay. Maintenant, la musique, il y a tellement d'énergie de cachée chez chaque humain. On va développer encore, mais présentement, on a quand même des moyens qui sont utiles et utilisables pour permettre à ces humains-là de faire bouger l'énergie qu'il y a chez eux. La musique, c'est plus un catalyseur de l'énergie qu'on a déjà. Oui, ça va réveiller de l'énergie, ça va catalyser donc le réveil d'une énergie. Et en plus, dépendamment de la musique et de l'orchestration, donc du discours musical, on va être capable de forcer des énergies qui sont placées à certaines places où c'est pas correct, à se déplacer. On va réveiller des énergies, on va centrer les différents corps, donc le corps physique dans le corps vital, dans le corps astral, dans le corps mental, et par la suite, on va être capable, avec différents morceaux musicaux, de faire bouger l'énergie qui existe dans l'humain pour l'amener à ce qu'il puisse effectivement, à un moment donné, arriver à des guérisons ou à des énergisations. On a amené quelques exemples de musique qui peuvent guérir. On pourrait peut-être en écouter une pour ensuite. Oui, mais avant de l'écouter, je dis ça pour lui là-bas, là, c'est nouveau, ça, c'est nouveau. Il y a plusieurs fois qu'il est nouveau, tu sais, mais... Ça fait 3 ans et demi qu'il est nouveau. Mais c'est ça, exactement, c'est ça. À un moment donné, il va connaître ses boutons, tu sais, donc c'est plus nouveau. Ce qu'on a à comprendre, c'est que si on prend une pièce musicale et on l'écoute, est-ce que ça va nous guérir? Non. Il y a des pièces musicales qui vont nous relaxer, c'est intéressant. Mais la relaxation n'est pas une guérison. La relaxation, c'est que ça va simplement faire en sorte de diminuer un peu certaines dépolarisations neuroniques. Ça ralentit un peu ce qui se passe au niveau du cerveau. Alors, ça va finir par engendrer, disons, une émission d'ondes alpha. Ça va calmer le cerveau. Ça peut réduire le stress, par contre, puis te laisser plus d'énergie pour guérir. Ça diminue l'expression du stress dans ton corps physique, mais ça ne diminue pas nécessairement le stress au niveau de l'ego. Alors, la personne, elle écoute sa musique, elle relaxe, elle relaxe, elle relaxe, elle relaxe. Le téléphone sonne, puis elle grimpe au plafond, tu sais. Okay. Le stress n'était pas parti, mais le stress n'était plus exprimé. C'est intéressant. Mais c'est pas ça. On peut écouter un morceau musical qui est extrêmement dynamisant et énergisant. Et on l'écoute, nos cheveux sont tous dressés sur la tête. Les haut-parleurs fonctionnent fort. Et ben, je parle pas dans mon cas, évidemment, je parle dans le cas de certaines personnes. Et puis, après ça, on est tous dynamisés. Mais c'est souvent une dynamisation déprimante. On parle pas dans ton cas par rapport au volume de son ou aux cheveux qui se dressent sur la tête? Aux cheveux. Mais ils sont polis, mais ils restent là. Bon, non, ils partent, quand ils partent, c'est une autre chose. Mais ça énergise, ça dynamise. Mais c'est une énergisation déprimante souvent. C'est-à-dire que tu es extrêmement énergisé, mais faut pas que tu bouges. Ça dure pas. Ça dure pas, ça s'en va vite. Maintenant, si on prend... dernièrement, j'écoutais des émissions. C'était le club des 2 watts, puis il y avait le club des 200 watts. Il y avait le club des 100 watts aussi. Il interviewait du monde, des gars et des filles. Et des adolescents et adolescentes surtout. Pas supposé d'écouter ça. C'est interdit. Oui, moi j'ai le droit. Moi je suis un enfant qui a l'expérience d'un adulte. C'est pas pareil. Et puis. Pourquoi vous écoutez du métal hurlant, du heavy metal? Hein? Pourquoi vous écoutez ça? T'sais, c'est une musique. C'est même pas une musique finalement. Bon. Tu casses ta guitare le plus vite possible, puis tu joues le bout après, puis tu joues avec la tête de l'autre. Et les jeunes disent c'est parce que ça me relaxe. Ça relaxe même pas les appareils qui sont obligés de les amplifier et de les faire jouer. Ça les brise. Mais imagine-toi l'humain. Alors, ça ne relaxe pas. Le rock and roll, par exemple, il y a différents rocks. Le rock dur, il ne relaxe pas non plus, mais ça relaxe. Alors, quand on regarde un jeune qui écoute sa musique heavy metal, il faut que ce soit extrêmement puissant, il faut que ce soit bien, bien, bien fort. Puis là, lui, là-dedans, il attend. Puis finalement, quand le morceau est fini, apparemment, il est relaxé. Qu'est-ce qui s'est passé pour le relaxer? Mais est-ce qu'il est relaxé ou est-ce qu'apparemment... Il n'est pas relaxé, mais il est centré. Et ça, il ne sait pas. Lui appelle ça relaxé, mais il n'est pas relaxé, il est centré. Centré, c'est quoi la différence entre... Au long de... Vous avez probablement déjà rencontré, hélas, un chiropraticien qui vous chargeait 20-27 $ quotidiennement pour vous placer vos petites vertèbres. Les vertèbres ont une tendance à se déplacer régulièrement. Mais elles se déplacent, et elles se replacent, et elles se déplacent, et elles se replacent, et elles se déplacent. Le chiro, lui, va recentrer la colonne vertébrale.
Donc, il te la tord un peu, il te la bouge un peu, puis il faut que tu bien relaxes. Et puis là, il va centrer la colonne. Quand la colonne est centrée, l'énergie peut mieux circuler. Hmm? Bon. Le personnage qui écoute du heavy metal, bien, dans sa journée, lentement, le corps vital se défausse lentement, dépendamment des gestuels, des stress, des sursauts qu'il va faire, de la peur, des craintes. Le corps vital a une tendance à se déphaser lentement. Et ce déphasement-là est une grande partie coupable de la fatigue que nous avons à la fin de nos journées. Plus on aura été stressé, plus on sera fatigué, il y a un déphasement. Le déphasement du corps vital peut engendrer aussi un manque d'énergisation de certains organes, d'où pathologie. Personne qui a souvent peur de se tromper. Elle va normalement déphaser son corps vital au niveau de l'estomac et du duodénum, du début de l'intestin grêle. Et progressivement, les cellules de cette région-là vont finir par perdre leur mémoire, donc elles vont oublier ce qu'elles ont à faire. Et on aura probablement, à un moment donné, manque de sécrétion, ce qui fait que l'estomac va commencer à se digérer lui-même, digérer le duodénum, puis on appelle ça un ulcère. Une personne, un comptable, par exemple, les comptables, souvent sont des ulcères gastriques parce qu'ils ont souvent peur de se tromper. Personne qui a peur de se tromper. Alors donc, au courage, quotidiennement, finalement, il y a des déphasements du corps vital. Le corps astral aussi a tendance à se déphaser du corps vital, donc du corps physique aussi, puis le corps mental aussi un peu. Le heavy metal, entre autres, a comme caractéristique de recentrer tous les corps. À cause de quoi? Simplement parce qu'il bouleverse tellement l'humain sur tous ses plans, que l'humain va venir refermer le maximum de boucliers, puis en mettant le maximum de boucliers, il oblige tous ses corps à rentrer les uns dans les autres pour se centrer. D'où l'effet d'apparente relaxation. Eux appellent ça une relaxation, mais ils ne savent pas ce que c'est, mais ils sont centrés, c'est une centricité qui vient de se développer là, et nécessairement, ils se sentent bien. Maintenant qu'on est centré, que l'énergie peut circuler, là, il serait temps qu'on commence à faire quelque chose. Le heavy metal, la problématique, c'est qu'il est relié à des égrégores relativement violents. Donc, l'individu qui écoute le heavy metal, le metal hurlant, en même temps qu'il centre ses corps, inconsciemment, il se branche à des égrégores qui vont progressivement l'assujettir. C'est un peu une forme de drogue. Tu en auras besoin. Bon. Alors, il y a d'autres pièces musicales qu'on peut trouver à travers tout ce qui existe au niveau musical qui sont capables de donner le même coup de fouet de départ. Et c'est ça qu'on doit développer. On doit, dans ces disques, dans ces cassettes, ou encore dans les magasins des autres, on doit fouiller pour écouter, puis à un moment donné, finir par trouver des morceaux qui, à la base, vont nous stresser. Maintenant, il faut faire attention. J'ai fait écouter un peu les 5 pièces musicales que j'ai amenées, puis les personnes me disent « Ah non, moi j'aime pas ça, moi j'aime pas ça. » C'est un morceau pour te pousser, disons, une idéologie musicale pour arriver à la guérison. Bon, hein? Alors, c'est pas une question de savoir si t'aimes ça ou si t'aimes pas ça. C'est un peu comme si on vous fait un massage. Vous vous couchez, là on commence. Tchaka, 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 tchaka. Ouch! J'aime pas ça! Ah oui, mais ferme-la! Tu sais, je te fais un massage. Dans une demi-heure, tu vas aimer ça. Pour l'instant, je commence à briser les molécules d'acide lactique, c'est pour que le sang puisse les amener. Après ça, je te tripote ça comme il faut. Ça fait un mal qui est plaisant à un moment donné. Et puis progressivement, ben là, on finit par se sentir bien. Mais c'est un peu la même chose. Le premier morceau musical qu'on ramasse, c'est pas un morceau de flûte de pan qui nous relaxe. Parce que nos corps ne seront pas centrés. C'est ça qui va centrer. Ça non, on va atténuer les dépolarisations, les échanges neuroniques au niveau du cerveau. Et puis, on va se sentir un peu mieux. Mais ça ne réglera pas le problème de l'humain. L'humain, ce n'est pas un être uniquement relaxé. C'est un être dynamique. Puis, c'est évident que de temps en temps, sa dynamique doit être calme. Bon, mais l'être humain, c'est pas un être amorphe. Vous ne pourrez pas réfléchir si continuellement vous écoutez l'eau de rose couler à travers vos haut-parleurs. C'est pas... Bon, pour se relaxer un petit peu, c'est intéressant. Mais encore, on fait quoi? Alors, on prend un morceau musical qui peut nous stresser, mais quand je dis nous stresser, en réalité, c'est qu'il va brasser des choses chez nous, et ce que l'on sent qui est brassé, c'est justement la centricité des corps qui est en train de s'opérer. Alors, celui que j'ai choisi, c'est une pièce qui est intéressante. Je ne dis pas que ça va faire l'effet sur tout le monde, et en plus, on ne vous guérira pas ce soir. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas malade. Non, mais pas ça, c'est quelqu'un qui parle à travers le disque. Ah ouais? Moi pis toi. Ah oui, bon, il est plus télépathe pas en tout cas. Alors, on va y aller avec le premier morceau, qui est un morceau pour saisir. C'est pour vous donner une idée de ce qu'on peut trouver dans le classique ou ailleurs. Yeah!
Thank you.
je suis revenu. Pour parvenir à aider la centricité des corps, quand on écoute un morceau, par exemple, qui réveille, c'est sûr que dans une grande pièce, il n'y a pas la même puissance. C'est important que l'individu pratique une respiration abdominale. Elle peut être globale, mais il faut absolument qu'elle soit minimum abdominale, parce que sans ça, la centricité des corps va permettre à l'ego d'exprimer une peur, un malaise. Comment tu fais une respiration abdominale? Tu gonfles le ventre quand tu respires, puis tu vides le ventre quand tu inspires. Ce qui fait que tu dois inspirer, donc tu es couché ou tu es bien assis. Et la personne ne doit pas uniquement respirer par les épaules. Donc, elle doit absolument travailler au niveau abdomen. Donc, elle relaxe, évidemment, puis elle gonfle son ventre, puis elle vide son ventre. C'est important. Ça va aider à éliminer la possibilité qu'aura l'ego d'exprimer son malaise ou sa crainte pendant le mouvement centrique des corps. Ce morceau-là est intéressant. C'est un morceau de musique thème d'Excalibur. C'est Carmina Burana, écrit par un bonhomme. Il s'appelle Orff. D'ailleurs, il est mort. Bon. Orff. C'est ça. Et puis, on peut choisir différents morceaux. Il faut que ce soit un morceau qui a la capacité de partir suffisamment raide. Celui-ci est intéressant parce qu'il part raide. Il y a des voix là-dessus qui sont du latin, qui sont un rituel intéressant au niveau de la chevalerie. Et lentement, ça redescend, mais ça nous maintient dans une espèce de... Ça permet la motricité des corps. Puis quand ça rééclate par la suite, mais encore une fois, les corps viennent se placer. Et ça peut agresser au niveau de l'ego. De l'ego, dans le sens que bon, c'est une musique qui m'énerve, qui me Et c'est me pourquoi harcèle, la personne doit respirer abdominalement, quel que soit le morceau. Il faut que ce soit un morceau musical qui, de toute façon, va énergétiquement t'énerver. OK? C'est important. Parce que la personne qui prend un morceau qu'elle aime, ses corps ne se sentiront pas. Il faut comprendre, on peut aimer le morceau, mais en même temps, on va l'aimer, mais il faut que le morceau puisse faire plusieurs choses chez toi. Si tu sens des choses bouger chez toi, c'est pas ton estomac qui est en train de se guérir, c'est tes corps qui sont en train de se centrer, et nécessairement, le corps vital est en train légèrement de bouger. Tu sens des mouvements au niveau corporel, mais c'est des mouvements qui sont beaucoup plus vitaliques que physiques. Et il y a un mouvement astral aussi qui va se faire, et parce que c'est neuf, normalement, l'ego peut exprimer un malaise, donc on respire abdominalement. On choisit à travers ces morceaux des thèmes, des morceaux qui vont centrer. Et c'est important, le morceau ne doit pas uniquement nous énergiser, il doit créer quelque chose chez nous. Là, il va être donc, il y aura de la centricité. Maintenant, ce que l'on fait une fois qu'on est centré? Bonne question. Le heavy metal, quand il est centré, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ben, il y en écoute, il en écoute encore. Il y en a un autre. Ce que ça fait, ça peut pas redécentrer. Tu es déjà centré, mais là, tu deviens agressif ou tu deviens... C'est-à-dire que ton ego continue à vivre le heurt, tous tes boucliers sont en alerte, mais au niveau de la vie, tu ne peux plus goûter autant. Enfin, il y a tout une mécanique qu'on pourrait expliquer, là, mais disons que c'est pas le sujet de la conférence. Juste avant d'aller... C'est bien simple, cesse d'en écouter. J'en écoute pas parce que je veux en écouter, moi. J'en écoute parce que j'en ai d'autres dans la maison qui Ah, ben c'est ça. Bon, oui. Maman là parlait à celui-là. Mais la différence entre un morceau classique ou un morceau qui est beaucoup plus vieux que du heavy metal ou du morceau des pièces musicales plus récentes, qu'est-ce qui fait qu'un morceau comme celui-là, qui est dans Excalibur, peut-être qu'à l'époque où ça a été écrit, quelqu'un qui aurait écouté ça, il aurait comparé ça à du heavy metal ou à du... Oui. Maintenant, ce qui arrive, c'est que les morceaux classiques, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont traversé le temps. Et ayant traversé le temps, normalement, ce qui va arriver, c'est qu'ils ont... Beaucoup plus, dans les grégores, ils contiennent beaucoup plus de sagesse, une sagesse entre guillemets, évidemment, que les morceaux heavy metal d'aujourd'hui qui ne contiennent qu'une expression immédiate et probablement très temporaire et passagère d'une violence sociale. Alors que si le heavy metal persiste, par exemple, pendant 200, 300 ans, il va nécessairement s'assagir. Alors, est-ce qu'aussi il y a un égrégore qui s'est développé autour de Beethoven, Mozart? Effectivement, mais ce sont des égrégores toujours de sagesse. Les personnes qui ont écouté ça ne se sont jamais servies de ces morceaux-là pour la guerre. Même l'Allemagne d'Adolf Hitler pouvait, bon, que c'est surtout Wagner et certains autres dans le genre, mais ils étaient capables d'écouter des morceaux classiques qui dataient quand même d'un bout de temps à cause de l'énergie que ça leur amenait, ça permet la création d'une forme de sagesse. C'est évident que n'importe quelle sagesse, sans intelligence, peut mener autant à la guerre qu'à l'apocalypse, qu'à l'apothéose. La sagesse n'est pas garante de paix. Bon. Alors, si on regarde Saddam Hussein, c'est un sage. Dans son style. Évidemment. La sagesse n'est pas garante de paix. Alors, ces musiques-là ont plus de sagesse que les morceaux musicaux d'aujourd'hui qui sont beaucoup plus violents. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait une fois que les corps sont centrés? Une fois que les corps sont centrés, on doit maintenant rabaisser les boucliers.
On a baissé les boucliers, pourquoi? Pour que les prochains morceaux musicaux puissent venir travailler notre âme, donc travailler nos oreilles en réalité, parce que c'est notre énergie même que nous allons bouger. Étant donné maintenant que tout est centré, c'est comme la colonne vertébrale qui est centrée, ben, l'énergie à travers les canaux, à travers les corps, va, les corps qui sont inférieurs, les corps plus épais, c'est-à-dire donc le corps mental, le corps astral, le corps vital, le corps physique, l'énergie peut maintenant circuler. Pour abaisser les boucliers, on doit faire jouer une pièce musicale qui va nous amener à nostalgiser. Une pièce qui sera capable de faire naître chez nous une forme de nostalgie. Donc, on doit faire jouer un morceau musical. Il peut y avoir un chanteur dessus, il n'y a aucun problème, ou une chanteuse. Ça peut être les paroles autant que la musique ou les exactement. Trucs. Mais un morceau musical, soit par exemple d'un film ou d'une affaire de votre enfance, un film que vous avez aimé, que vous avez presque pleuré, ou encore que vous avez pleuré, ou que vous avez envié. Bon, il faut que le deuxième morceau, après le morceau qui centre les corps, soit un morceau nostalgisant. Alors, la pièce que j'ai choisie, c'est une pièce qui peut nostalgiser certaines personnes, mais encore une fois, c'est pour vous donner un exemple de... Le deuxième morceau doit donc être un morceau. Il peut en avoir un, deux ou trois. Pas six heures de temps. Un, deux ou trois. Des morceaux où là, maintenant qu'on a été centré, là, on respire encore. Puis là, on a un morceau qui commence, qui est un morceau qui devra nous amener à la nostalgie. C'est important, c'est ça qui va faire en sorte que les boucliers vont baisser, les corps restent centrés, et là, on va s'ouvrir énergétiquement. Si on s'ouvre, nécessairement, tout va commencer à circuler. S'il y a une pompe quelque part pour avancer la circulation, et cette pompe-là, musicalement, on va la retrouver dans les pièces qui vont suivre. On va y aller avec le morceau nostalgisant. Je vous garantis pas que vous allez pleurer.
en Écosse pour enregistrer ça. Ouais, ça le fait. Mardi dernier. C'est moi qui étais en Écosse, mardi. Ouais, c'est ça. Bref. Alors, le deuxième morceau doit être un morceau nostalgisant. Fait qu'évidemment, quand on a des vibes, des bribes de réincarnation écossaise, ça nous ramène à... Hein? Bon. Ce morceau-là, ce qu'il fait, le morceau nostalgisant. Je parle pas des morceaux de cornemuse. On prend n'importe quel morceau. J'ai failli vous amener une chanson de Roger Whittaker à propos de sa mère. C'est intéressant. On choisit. Tu as parlé, il y en avait une de Céline Dion, à un moment donné, qui est intéressante aussi. Ou de Michel Rivard. Bon. On choisit un morceau qui nous plaît puis qui, en même temps, nous nostalgise un peu. Il va nous permettre une ouverture au niveau des boucliers. Ça abaisse les défenses. Oui, et ça prépare le corps physique, le corps vital, le corps astral, le corps mental à se faire manipuler énergétiquement par quelque chose qu'on aura choisi qui va être les pièces musicales qui vont suivre. Donc, ça permet simplement une motricité énergétique. Si on est capable d'aller chercher une pompe. Selon la catégorie de réincarnation qu'on a ou selon les endroits d'où on vient, même si on n'est pas conscient de ce qu'on est ou de ce qu'on a été ou de ce que... C'est certain que le choix musical doit faire une différence. Exactement. C'est sûr que c'est pour ça que c'est intéressant, à un moment donné, de soit d'aller dans des magasins de musique, d'en écouter quelques-unes, parce qu'on peut écouter, même les disques laser dans les magasins qui sont convenables, on peut écouter le disque. Alors, on peut écouter un peu les morceaux musicaux, puis on fouille un peu. Quand on écoute un film, par exemple, puis qu'il y a des morceaux musicaux qui nous plaisent, on peut astralement associer le visuel du film à un morceau musical. Alors, on peut aller chercher le morceau musical après. Ce qui est important, c'est effectivement d'avoir quelque chose qui va nous permettre de nous nostalgiser. Ça peut être un morceau de trompette, ça peut être un morceau de film western, ça n'a aucune importance. Prenons par exemple, il était une fois dans l'Ouest avec la musique lorsque la femme chante un peu. Là. Benio Morricone. Ouais, lorsqu'il arrive, où tout le monde est mort, la famille. Là. Bon, c'est un morceau ça, qui est extrêmement nostalgisant pour la majorité des individus. On peut mettre ce morceau-là. Ouais. Alors, c'est simplement l'idée, c'est qu'on doit chercher dans le répertoire que nous avons, et le répertoire évidemment qu'on a au niveau matériel, les morceaux qui vont aller. Quand on fait jouer, par exemple, le morceau de Cornemuse de tout à l'heure, il y a plusieurs personnes qui l'ont entendu à un moment donné, qui ont su que c'était un morceau qui n'était pas un morceau joyeux, puis qui n'était pas un morceau non plus de déception, puis ça ressemblait plus à quelqu'un qui venait se rendre sans avoir perdu. Ben, effectivement, ce morceau-là, ça a été joué par une famille, parce que c'est des familles en Écosse, qui, à un moment donné, s'est rendu aux Anglais, mais c'est une réédition avec condition. Et quand ils ont été portés l'espèce de couronne de leur territoire, ben toute la famille a joué ce morceau-là pendant que le chef donnait le bon. Alors, il y a... Oui, il y a en même temps l'enterrement, puis toute l'affaire. Là, c'est tout ça au complet, parce que t'as les morts, puis ils font... Bon. Alors, les individus qui ont des fibres, par exemple, relativement écossaises, pas au niveau du nom, mais au niveau de la réincarnation, peuvent vibrer ça. Alors, on choisit donc un morceau de nostalgie qui va nous permettre, après le morceau violent pour centrer les corps, un morceau nostalgisant qui va nous permettre d'ouvrir, donc de baisser les boucliers. Ça se baisse sur tous les boucliers. Pour ouvrir, on a le morceau nostalgisant, mais pour ouvrir au maximum, là, il nous faut un morceau doux. C'est là que le morceau doux doit rentrer. Mais encore une fois, on a intérêt dans la guérison musicale, musicothérapie, à chercher des morceaux qui sont capables de se relier facilement à un égrégore toujours de sagesse. Et quand je parle de sagesse, je parle surtout... Pourquoi? Parce qu'elle a traversé le temps. Puis en ayant traversé le temps, il y a une purification qui se fait exactement comme une âme dans le monde de la mort, et les parties les plus basses sont les premières à partir. Si la musique reste à travers le temps, c'est les parties les plus hautes du morceau musical qui vont rester, donc les musiques classiques, mais quand on parle de classiques, c'est pas nécessairement les classiques européennes. Si on regarde El Condor Pasa ou d'autres morceaux, par exemple, péruviens, la musique des anges, ces choses-là, ça va. Évidemment, on parle d'un morceau sacré. Parce que ça crée quelque chose. Si on regarde les morceaux qui sont trop rapides, qui font danser, ben là, évidemment, il y a un corps, va commencer à danser ailleurs. Alors, on parle de morceaux doux. Est-ce que tu as des morceaux doux, toi? Oui. Oui, ta famille en écoute aussi? Oui, j'en écoute. C'est juste du heavy metal. J'en écoute pour me calmer. Moi, je me fais centrer par le heavy metal de mon fils. Après ça, j'écoute des morceaux. OK, puis lui, il se fait tanner par ta musique à toi, fait qu'il faut qu'il se centre par le heavy metal après. Ils ont inventé des écouteurs. Oui, on en a non, aussi. Bon. On en a, mais il est père. Donne-moi des exemples, évidemment. Ils les mettent après leur planche à roulettes. Oui, c'est ça. Tu peux décorer. Donne-moi des musiques, des exemples de morceaux doux. Dans le classique. Bon, dans ce que tu veux. Les quatre saisons de Vivaldi, que je trouve doux. Michel Rivard, Un trou dans les nuages, ou J'aurais voulu voir la mer. Je sais pas si c'est... Faut juste que ça nostalgise pas trop. Ça peut nostalgiser un petit peu.
mais pas trop. Le boléro de Ravel, c'est doux, mais ça a non, énergie. Le boléro de Ravel, c'est pas une musique douce. Plus doux que ça. Ah oui. Bon, Ibis de Beethoven. Tout le monde dit ça, là.
pour donner des exemples. J'aime ce morceau comme exemple. Pourquoi? Parce qu'on parle de pièces douces, puis de temps en temps, tu vois que ça monte. Mais ça monte, mais c'est pas une marche militaire. C'est pas agressif, c'est pas agressant. C'est ça. Donc, une musique douce, c'est pas une musique plane, nécessairement. C'est une musique qui, même si on va chercher un petit peu d'ampleur à l'intérieur, ça reste doux, ça reste agréable. Alors, le premier morceau musical rentre violemment, vient centrer les corps. Le deuxième, ça centre les corps parce que ça force la levée des boucliers, c'est-à-dire qu'on place les boucliers là. Le deuxième morceau musical, le morceau nostalgisant, est important parce qu'il va venir faire baisser les boucliers. Et progressivement, il va permettre aux différents corps de s'ouvrir. Le morceau doux, ou un ou deux, c'est évident, si vous prenez un morceau doux qui dure 42 minutes, un c'est suffisant. Bon. Le morceau doux, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va permettre lentement aux différentes entrées des corps de s'ouvrir complètement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les chakras des corps, du corps vital, entre autres, vont totalement s'épanouir pour être prêts à recevoir. Ça veut dire que le corps physique, étant donné que le corps vital est maintenant prêt à recevoir, le corps physique est totalement décontracté et va laisser l'énergie circuler librement. Ça veut dire que le corps astral est presque paradisié. Paradisier, ça veut dire qu'il a presque reconnu l'état où il va être légèrement extra-conscientisé, c'est-à-dire que le corps astral sort légèrement du corps physique, et il va se retrouver dans un état similaire à l'état qui prévalait lors de sa naissance. Est-ce qu'on peut s'endormir à ce niveau-là? Ça peut arriver? C'est mieux pas. Mais, ouais. Mais ça peut arriver pareil. Oui, effectivement. Si le corps astral commence à sortir, et puis... Oui. Mais dans ce temps-là, ce qu'on fait, c'est qu'on s'arrange pour faire la musicothérapie lorsqu'on n'est pas trop fatigué. Tu vas pas ça le soir avant de te coucher, là. Exactement. C'est pas parce que ça nous endort bien, oui, mais là, on parle de musicothérapie. Alors, c'est un peu comme un médicament, hein. Un médicament, on prend pas ça une fois, puis on devrait être guéri. Quelqu'un, par exemple, qui aurait des problématiques, avec la musicothérapie, il va être capable, s'il fait ça une fois par jour ou deux fois par jour, pendant un laps de temps, il va voir un très, très grand changement au niveau de ce qui arrive au niveau du corps physique. On va en reparler un peu de ce qui se passe dans une conférence prochainement qui sera la structure opérationnelle du miracle, un truc dans le genre. Alors donc, le morceau doux, ou les deux ou trois morceaux doux, mais encore une fois, on ne doit pas trop étirer, ça dépend de la longueur du morceau, c'est un morceau qui va permettre l'ouverture complète de l'humain, donc au niveau du plan mental, au niveau du plan astral, au niveau du plan vital, puis le physique est indépendant du plan vital, nécessairement le physique est donc prêt si le plan vital est prêt. Là, maintenant, progressivement, on doit commencer à aller chercher une musique qui va obliger une motricité énergétique. Ce qui est intéressant au niveau de l'énergie vitale, c'est qu'on n'a pas besoin de diriger l'énergie. L'énergie vitale, lorsqu'elle circule, elle circule partout, lorsque les corps sont centrés et que tout va bien, et elle s'arrête pour remplir les endroits qui en manquent, et elle décolle des endroits où il y en a trop. Et elle circule. Ce qui fait que la personne, par exemple, elle a un problème cardiaque, elle n'a pas besoin de visualiser le cœur pendant la musicothérapie. Ça va se placer tout seul, ça va aller chercher ce qui manque. Oui. Surtout que quand une personne, par exemple, elle dirait « Bon, j'ai mal à l'estomac », fait qu'elle visualise l'estomac, mais c'est sa vesicule biliaire qui fonctionne mal. Puis ça lui donne des problèmes de digestion, puis elle pensait que c'était son estomac. Si c'est le corps astral qui a des problèmes, puis qui fait en sorte qu'elle aura des ulcères gastriques, si elle laisse les choses aller seules, c'est quelqu'un qui pourrait magnifiser convenablement, là, quelqu'un qui pourrait réellement localiser les parties problématiques du corps, puis qui pourrait canaliser par une technique de canalisation de l'énergie vitale, diriger l'énergie à une certaine place, ça pourrait accélérer le processus de la guérison. Mais habituellement, une personne qui n'est pas tout à fait contrôleur de cela va normalement plutôt perturber, ce qui fait qu'on laisse les choses aller. Donc, le deuxième morceau, je voulais résumer, c'est un morceau qui dure normalement 17 minutes. Je voulais résumer en 2 minutes, 1 minute 30. Alors, c'est sûr que c'est un petit peu compressé. Ça va vous donner l'impression, ceux qui connaissent la pièce, vous allez comprendre, ça va vous donner l'impression de... Mais c'est une pièce qui commence extrêmement lentement, assez qu'on se demande si les musiciens dorment pas. Puis lentement, à travers 15 à 17 minutes, ça monte. On rajoute un petit instrument, un violon de plus, on en rajoute un autre. Et finalement, on arrive à un summum qui est intéressant. Le morceau doit nécessairement être constitué comme ce que je viens de dire. Après le morceau doux, la pièce qui suit doit commencer doucement. Donc, il n'y a pas de A. Et progressivement, elle doit monter. Progressivement. Alors, l'une des meilleures pièces, parce qu'elle dure justement une quinzaine de minutes, c'est le Boléro de Ravel. Bon,
On commence très, 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 très minuscule, et puis lentement, 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 ça va amener les corps à accepter une augmentation de la circulation, donc à accepter une augmentation d'énergisation. Pour donner juste un petit exemple, on va écouter juste une petite partie, qui est la fin. Voilà une idée un peu de la pièce à ramasser. Thank you.
Donc, après 17 minutes, tu finis comme... Alors, après ça, le... Ce que ça fait, c'est que ça a permis à l'énergie de se remettre à circuler. C'est ça. Après le Danube bleu, ça commence mollo, 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 mollo. Puis lentement, ton énergie commence à circuler. Mais comme... Vous savez, il y a des personnes qui ont déjà écouté le Boléro de Ravel. Et puis, ils aiment ça. Bon, ils aiment ça. Sauf que si on centre les corps, si par la suite on nostalgie, si on commence avec un morceau doux, puis qu'on va chercher un morceau qui commence mollo, puis qui lentement monte la pente, monte la pente, monte la pente, le résultat est totalement différent. C'est sûr que ce soir, vous ne pouvez pas sentir ce que ça va donner, parce qu'on coupe à tout bout de champ, puis il manque les morceaux, bon. Mais c'est techniquement... Mais ta séquence est importante, tu peux pas mélanger ça, commencer par le boléro, puis te calmer, puis après ça, mettre le morceau qui te centre. Exactement. C'est pour ça que là, on parle évidemment de stratégie musicale. D'ailleurs, c'est un peu la même chose. Ce que l'humain n'a pas compris jusqu'à date, c'est que pour... Bon, on prend un instrument de musique, on prend un piano, par exemple, puis là, on joue une note, une autre note, une autre note, 10 notes, 20 notes, on met le genou sous le piano. C'est des notes. Et c'est laid, maudit. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que les notes, tu peux les mélanger à peu près de plusieurs façons, mais pas d'une infinité de façons. En tout cas, d'une infinité par là, mais pas par là. Il y a des harmonies qui doivent être respectées. Il y a exact. Des formes. Alors là, si tu connais un peu comment fonctionne la musique note après note, tu vas être capable, avec un lot de notes minuscules, de composer des morceaux qui sont extrêmement différents et qui ont des intérêts différents. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est la même chose au niveau de l'écoute musicale. Les grands compositeurs, par exemple, étaient capables de faire un opéra, on prend de Mozart. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Pourquoi ça pouvait fonctionner? On prend une pièce de Mozart, on l'écoute. Ah, je l'aime pas, je l'aime pas. Mais non, c'est évident, mais c'est quelle pièce? C'était le début ou c'était le milieu ou c'était la fin? Il y avait une séquence. Ouais. Alors là, tu commences, tu prends l'opéra au complet, hein, et puis tu commences à l'écouter au complet, puis là, tu te rends compte que tu vas vivre une épopée. L'épopée, tu peux ne pas l'aimer, hein, ça dépend du scénario. C'est un peu la même chose quand on écoute des pièces à la maison. Bon, on écoute n'importe quelle pièce. Il n'y a personne encore aujourd'hui, enfin, il n'y en a pas beaucoup s'il y en a, qui ont pensé, lorsqu'ils faisaient un long jeu, de placer une pièce d'ouverture avec des pièces pour amener l'individu quelque part, puis finir, un peu comme quand tu fais un film, finir avec une ampleur, puis commencer quelque part pour accrocher, puis aller chercher, lentement t'en aller. On met de quoi de beau. Normalement, ce qu'ils font, ils mettent le plus beau morceau au début, le reste, ça vaut rien. Tu vires le disque de bord, t'as le plus beau morceau au début, le reste, ça vaut rien. Le numéro 7, c'est ça, comme sur une cassette. Une cassette, tu vires ça de bord. Après, Zamfir, c'est intéressant. Fait que le beau morceau, il est là, le reste, intéressant. Tu vires de bord, le beau morceau, il est là, le reste, intéressant. Ça, c'est au cas où tu écoutes la cassette dans le magasin. Mm. Tu écoutes toujours le début. Tu sais, ça ne te l'envoie pas au milieu. Alors, il faut comprendre que dans la musicothérapie, c'est la même chose. La séquence dans laquelle on place nos pièces est l'équivalent de placer les bonnes notes aux bonnes places pour avoir un résultat intéressant. L'orchestration musicale peut permettre plusieurs autres choses que la guérison ou l'harmonisation du corps physique à travers l'harmonisation des corps, du corps vital, du corps astral. Donc, il faut bien comprendre l'idée. Qu'est-ce que ça fait dans l'ambiance? Parce que si ça guérit le corps physique, ça recentre le corps physique. La musique, ça reste dans l'air, comme si on fait jouer de la musique ce soir dans cette séquence-là. Est-ce que ça calme la pièce, l'atmosphère? Si on n'aurait pas parlé, ça va laisser... parce que, évidemment, l'atmosphère ainsi que les matériaux enregistrent ce qui s'est passé ici, et lentement, ça le rejette. Alors, l'humain est suffisamment sensible pour être capable de redétecter inconsciemment ce qui se passe là. Donc, une personne qui va rentrer aurait l'impression de quelque chose, mais il aurait toutes les impressions en même temps. Parce que si tu rentres dans une discothèque en plein jour où c'est fermé, tu rentres dans la pièce, tu sens l'énergie. Il y a quelque chose. Parce que c'est sans arrêt, à répétition. Donc, pour ça, je l'ai juste une fois ici comme ça. Dans une pièce, non. Mais dans une maison, si on a une pièce en particulier chez nous où on fait cette thérapie-là, est-ce que c'est important de le refaire dans le même endroit? Important, non, mais ça a un avantage. C'est sûr que si vous avez une pièce particulière, vous pouvez faire ça. C'est évident que la pièce doit être relativement chaude, Yann. Ça va aider à l'harmonisation, donc pas trop yin. Et puis, si on fait ça régulièrement dans la même pièce, avec une forme de stratégie là, que l'humain appellerait un rituel, c'est évident que ça va aider un peu les choses. Alors, c'est d'ailleurs l'idée même des hôtels, des temples, des endroits, par exemple, où une personne va répéter des choses dans un contexte qui sera le même. Alors, effectivement, si tu as une pièce où tu fais cela, ça va être utile, mais ça peut être le salon, ça peut être sa chambre à coucher, évidemment. C'est sûr que si c'est toujours dans la même pièce, ça a un certain avantage. Surtout que quand l'ego vient coucher le corps physique, mettons, dans le même lit, et il place les mêmes instruments,
il allume par exemple son système de son, ben déjà l'ego est déjà prêt, parce qu'il n'a pas peur, là. Il connaît la place. Si on change de pièce chaque fois, ben là l'ego doit, toujours un petit laps de temps où l'ego doit se réadapter, donc c'est un petit peu plus efficace si tu restes dans la même pièce. On doit fermer les yeux? C'est préférable de fermer les yeux, comme là on les laisse ouverts, il y en a plusieurs qui fermaient, puis il y en a qui connaissent les pièces parce que j'ai entendu chanter, bon. Mais on doit effectivement, c'est préférable de fermer les yeux. On ferme les yeux, puis on laisse simplement le corps astral, donc l'imagination décoller. Il va se centrer, ou se stresser, il va se centrer. Les corps vont se centrer. Puis en ayant les yeux fermés, on n'amène pas d'informations à l'ego. Donc ça permet, la seule information qui va venir, ou à peu près, c'est l'information auditive, qui est la musique. On débranche le téléphone, ça ne me porte. Non, ça dépend comment il sonne. Non, on le débranche. Chez vous, ça ne dérange pas, j'appelle, je réponds pas de toute façon. Non, exactement, moi je débranche. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a, disons, on est rendu une forme d'apogée énergétique dans un morceau? Bien, la finale, encore une fois, si on prend un morceau qui part bas, puis qui monte, disons, comme le boléro, on ne peut pas, rendu après le boléro, partir avec un autre morceau qui part bas. Parce qu'il faut pas, faut éviter les pointes, les crêpes qu'on descend pour remonter. Alors, si, par exemple, vous écoutez deux, trois morceaux de musique douce, c'est intéressant. Après ça, vous allez placer un morceau qui commence lentement et qui va progressivement monter. Et quand il est rendu en haut, le morceau qui suit doit être un morceau qui vous dit « Lève-toi et marche ». Tu sais, c'est la finale, autrement dit. Alors, pour ça, j'ai choisi un morceau qui est la marche royale, la marche impériale. Alors, « Lève-toi et marche ». C'est juste un petit extrait, évidemment. C'est un, mais ça vous donne une idée du genre de morceau. Alors, on va écouter ce petit extrait. Ça doit être assez fort. Mais pas trop.
coucher en écoutant ça, ça va être difficile. J'étais sûr, j'ai mis une grenouille pour voir si la tête glissait. J'ai mis une grenouille après pour voir si elle l'a fait. On l'a entendu. Ça veut dire qu'il est rendu dehors. Ouais. C'est effectivement. Ah oui, il est rendu dehors, il est rendu dans l'étang en plus. Avant, il était étendu, puis là, il est rendu dans l'étang. Il a fait la grenouille. Ce qu'on doit saisir, jusqu'à date, il y a des cours qui se donnent en musicothérapie. Souvent, je dis ça à ceux qui font le séminaire. On parle pas de musicothérapie, mais c'est le même parallèle. Il y a des cours qui se donnent en musicothérapie où les individus vont devoir payer 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 $, souvent en américain, pour une fin de semaine intensive. De musique américaine, par exemple. Oui, effectivement. Et puis, les personnes, après avoir payé autant d'argent, ils partent, puis là, ils savent, là, ils vont doser un morceau, etc. Puis bon, c'est intéressant. Où il y a le problème, souvent, c'est que on n'a pas parlé jusqu'à date de l'orchestration des pièces musicales pour engendrer, donc on parle de centricité des corps, enfin la mécanique complète au niveau énergétique, qui peut être soutenue par un apport musical. Bon, j'en ai parlé ce soir, mais souvent ce qui va arriver, c'est que les personnes ont payé quoi, 15 $ pour assister à la conférence? Bon, alors les personnes payent 15 $ et puis j'écoute la conférence, et puis on apprend comme ça en une heure ou en deux heures, deuxième partie, on répond à d'autres questions, bon. Qu'on doit centrer les corps physiques avec ceci, qu'on doit faire ça. Or, pour 15 $, 15 ou 17 $, je sais pas comment ça coûte, 15 $, bon. Et pour 15 $, les personnes suivent toute la conférence, puis après ça, ils s'en vont, puis ça n'a comme pas de valeur. Alors que ceux qui ont suivi un cours de musicothérapie à 500 $, les autres, ça a de la valeur. Mais c'est beaucoup moins efficace. Je sais pas si ça avait de la valeur au départ. Parce exactement, à cause de l'argent qu'ils ont mis. C'est ça, pour te payer 500 $, il faut que tu veuilles un maudit apprendre la musicothérapie. Mais ça, il faut que tu sois malade. Paye 500 $. Mais ce qu'on doit donc comprendre, ce que je veux simplement, c'est que c'est très banal, mais c'est toujours les choses les plus simples qui sont les banales. Et pourquoi c'est banal? Imaginons simplement que nous, on n'aurait pas fait les pièces musicales. Là, je vous dirais, pour arriver à se guérir par la musique, il vous faut premièrement des amis qui vont avoir des instruments de musique. On va devoir former un orchestre, devoir composer. C'est compliqué en maudit, la musicothérapie. C'est pas parce que maintenant, je vous dis, prenez un petit disque, on met un autre disque là, on met ça de même, on met ça de même, c'est facile. C'est pas facile. Sauf que maintenant, ça devient très facile. Mais c'est très fonctionnel. Ça n'enlève pas la valeur de la thérapie. Exactement. Bon, alors l'individu qui est... Normalement, l'être humain devrait se payer une petite partie musicale quotidiennement. La personne va dire, « Ouais, mais je suis pas malade. » Non, non, c'est comme aller chez le chiro. On te craque pour rien. « Oui, je suis pas malade. » Non, mais regarde bien. T'es pas malade, mais ça aurait pu... Ça se replace, ça se déplace, ça se replace, ça se déplace. Ça peut pas nous abîmer. Si on n'est pas malade, on peut pas ça. Ça dépend du chiro, puis ça dépend si t'es bien stressé. Non, je parlais de la musique. Ah, la musique, non. La musique, non. C'est moins dommageable quand ça va mal. La musique, non. Alors, par contre, donc, la personne, elle devrait se payer. Ça, l'humain fait à peu près jamais ça. L'humain, il prend combien de temps pour manger? Il prend combien de temps pour dormir? Combien de temps pour se laver? Combien de temps pour aller aux toilettes? Ben, c'est toutes des techniques. Puis quand il est malade, combien de temps en plus pour se guérir? Mais des techniques comme à la toilette, faut pas t'en passer bien vite. Ouais, mais c'est des techniques humaines. Il y a tout un rituel quand tu vas aux toilettes. Faut qu'il y ait personne. Tu barres la porte, même si t'es tout seul. Tu vas t'asseoir, hein. Puis là, tu vérifies, j'ai du papier. Il y en a qui vérifient pas. Puis il y a un autre rituel qu'il n'y en a pas. C'est bon. Et puis après ça, ben là, tu. Etc. Quand t'as une toilette publique, ben t'attends que tout le monde soit sorti. Pas qu'il n'entende rien. Ils sont trois assis dans les bols, tout le monde attend que tout le monde soit sorti, tu sais. À un moment donné, ben, il y en a un qui sort, mais il n'a rien fait. C'est le deuxième qui sort, mais il n'a rien fait non plus. Puis s'il y en a un qui se laisse aller, on dit, oh, quel cochon à côté. Mais lui, un rituel. Ce sont des techniques. Pourquoi on prend pas une petite demi-heure, par exemple, ou un petit trois quarts d'heure, minimum deux, trois fois par semaine, avec des pièces musicales orchestrées? On s'éteint. On peut être deux, trois, ça n'a rien à voir, hein. C'est pas dilué. C'est pas un four au micro-ondes, ça, là. Tu sais, on peut être quatre, cinq, ça a la même affaire. Et puis, on se laisse simplement recentrer puis relancer, sans aller chercher du rebirth ou d'autres. Tu sais, c'est tout seul, ça. Là. L'homme est son seul maître avec ça. Fait qu'on vous laisse aller à une pause café. Et ça, une pause.